ici au Parlement de la communauté Wallonie-Bruxelles, c'est un outil qui vient s'ajouter à toute notre stratégie de communication. Il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire avec ce studio. Je crois que c'est intéressant à la fois pour la visibilité du Parlement, la communication des parlementaires. Je pense qu'on doit multiplier tous les moyens de partager le travail qui est fait dans un Parlement. C'est l'ouverture aux citoyens, avec notamment des activités comme le Parlement des enfants. Et ce studio a pour objectif, je pense, de faire connaître davantage, de manière transparente, attractive, le travail des parlementaires. Ça nous ouvre la possibilité de l'utiliser régulièrement, de pouvoir disposer d'un matériel qui est un matériel tout à fait au top en matière de communication. Et donc avoir les moyens techniques de pouvoir faire ce travail-là, de se rapprocher, et en tout cas, non pas de bourrer les crânes, mais au moins de montrer ce qu'on fait, ça me paraît essentiel. L'intérêt de cet outil, de ce nouveau studio, c'est aussi qu'il pourra servir à accueillir des étudiants en journalisme pour des montages, des travaux de fin d'études. Et donc c'est un outil qui est à la fois utile pour le parlementaire, pour le Parlement, mais aussi pour des étudiants. On parlait aussi de la formation de nos jeunes, donc j'espère qu'il servira souvent. J'espère que cet aménagement sera beaucoup utilisé parce que je pense que si on peut avoir des usages qui augmentent tant notre visibilité que notre participation à la formation des jeunes, c'est vraiment un beau défi pour le Parlement.